On alterne le bon et le moins bon. Mais il n'y a pas, on va dire que c'est plutôt collectif, quoi. C'est trouver ce lien, cette confiance collective pour, à l'image de ce qu'on a fait contre l'Ulster, et essayer de le reproduire tous les week-ends. C'est sûr que c'est pas évident. On joue de très belles équipes. On joue une certainement encore plus belle que les autres samedi, finaliste de la Champions Cup. Donc c'est sûr que ça va être un grand défi pour nous d'exister face à leur super attaque. Et bien sûr, on sait qu'en plus sur le terrain synthétique, chaque petite erreur ou chaque petit oubli se paie cash. Donc il va falloir, si on veut espérer quelque chose, il va falloir être très rigoureux, notamment en défense, et avoir une défense de très haut niveau si on veut espérer exister. Samedi soir à l'Arena, ça c'est une évidence. Je sais pas, on a connu ça il y a pas longtemps, avec des semaines de post-Champions Cup perturbées par les restrictions et les précautions prises pour endiguer la Covid. Donc je pense pas. Ils ont un effectif de grande qualité. Donc je vous dis, on est plus focalisé sur nous que sur eux, et on a énormément de respect pour cette équipe. On voit qu'ils ont battu quand même Saracens en demi-finale. Il faut être très costaud pour battre ce genre d'équipe, et ils sont invaincus depuis le début. Donc c'est du très haut niveau, et je pense pas qu'il y ait un week-end où ils soient mieux ou meilleurs à prendre que l'autre. Je pense qu'il y a des joueurs qui vont vouloir se montrer pour pouvoir jouer le week-end d'après. Donc ça va être un sacré challenge. Ouais, ils ont des individualités incroyables qui font basculer les matchs à eux tout seuls. Ils ont un collectif, une conquête très forte. On les voit marquer sur molle portée, sur jeu autour, avec des joueurs comme Camicha qui sont très performants et perforants. Donc un numéro 10 de classe internationale qui anime tout ça. Et je vous dis, ce terrain, c'est une salle, donc c'est une ambiance particulière, et on les sent en grande confiance sur ce terrain. Donc nous, il va falloir qu'on soit très costaud pour répondre à ça, et être très collectif. Vraiment, s'il y a quelque chose à retenir, c'est être très très collectif pour essayer et espérer exister. Un plan, non. Et ça serait, ou alors il faut me le donner, mais c'est bien sûr qu'on va y mettre le focus fort dessus, mais dire qu'on a un plan, ça serait mentir. Et ouais, il va falloir être fort, très fort au milieu du terrain, et pour lui laisser le moins d'espace possible. Mais quand on lui laisse pas d'espace, il met des petits par-dessus qui sont décisifs. Donc il va falloir le surveiller de près, essayer de lui mettre de la pression dès qu'on peut, mais pas la mettre n'importe comment non plus. Donc on va le surveiller, mais malgré ça, il va falloir être très vigilant, quoi. Voilà. Et bien sûr qu'il y a des sensibilités, mais il y a toujours un espace quelque part. Donc voilà, on va s'attacher à essayer de leur laisser le moins d'espace possible, mais ça. Voilà, on va bien se préparer, et on fera tout pour être le plus performant possible samedi. Bien sûr, oui, et on va travailler ça encore cet après-midi, pour rien vous cacher. Donc, parce que je vous dis, c'est un besoin, comme on en a d'autres également, mais c'est un besoin, et on est conscient de l'ampleur de la tâche qui nous attend à Paris samedi, face à cette très belle équipe, et également sur une surface qui ne pardonne pas, si je peux m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que il y a beaucoup de points sur cette surface, il y a beaucoup d'accidents, de jeux, je parle. Le moindre ballon pas bien tenu au sol, il rebondit un peu plus que sur un terrain normal. Du coup, alors ça nous est utile aussi parfois, mais il faut que ça le soit samedi, plus utile pour nous que pour eux, quoi. Voilà. Je pense que le match à l'Arena est toujours particulier dans la saison. C'est un lieu à part, une ambiance à part, même si là il y aura moins de spectateurs que d'habitude. Et puis forcément, ils sont finalistes de Champions Cup, ils sont premiers de championnat, donc je pense que les joueurs s'entraînent toute l'année, et pour jouer, ils veulent tous jouer ce week-end. Donc voilà, ça va être un sacré défi. Ouais.
peut-être. Peut-être que pour Toulon, 25-0 à la mi-temps, mais ce n'est pas une excuse. Ça peut s'expliquer. Peut-être que c'est. Mais si on veut exister, si on veut gagner des matchs durs où ça sera serré, je ne vais pas vous donner d'exemple, mais il y en a plein, on ne peut pas se permettre d'avoir ces failles-là. Donc il faut être plus exigeant là-dessus et faire comme il faut être encore plus décisif en attaque. Quand les taux se resserrent, là on voit ce week-end, peut-être qu'on aurait pu prendre un point de plus. Donc bon, là c'est la troisième journée, mais à la fin, un point, on ne sait pas ce que ça peut faire. Et voilà, il ne faut pas répéter les mêmes erreurs. C'est surtout ça. On a le droit de se tromper, mais il faut essayer. Il faut travailler fort pour la gommer le week-end prochain. Certainement, parce que si le classement veut. S'il y a trop d'écart entre le nombre de matchs joués, peut-être que. Pardon. Oui, au bout d'un moment, ça peut être problématique. Après, je vous dis, c'est bon, on est à la troisième journée, donc bon, pour le moment, ça va. Et je pense que c'est une année sous le thème de l'adaptation permanente. Donc là, on voit le Racing samedi, on sait qu'on a Brive après, on sait qu'on perd les internationaux. Voilà, honnêtement, on ne regarde pas beaucoup plus loin et prendre les matchs comme ils arrivent, vraiment. Alors c'est très bateau, tout le monde dit ça depuis des années, mais je pense que c'est l'année où c'est le plus légitime de le dire. Voilà, si je peux m'exprimer comme ça. Exactement, mais vraiment, honnêtement, d'une semaine à l'autre, les tests Covid, la période internationale, 8 joueurs retenus, on a autant de moins de 20 ans. Donc il faut être vigilant. Le Covid, on ne sait pas comment ça peut se passer. Donc il faut vraiment. On ne voit pas très loin. Sincèrement, voilà. 15 jours, grand maximum. Et j'espère que les matchs se joueront plus sérieusement pour les équipes. Parce que les équipes qui vivent ces situations-là, honnêtement, ça ne doit pas être simple à gérer. On le souhaite à personne. Et pour le bien du rugby en général, il faut qu'on joue et ça s'améliore la situation sanitaire le plus vite possible. Parce que ce soit sur le plan de vue, enfin tous les plans de vue, notamment économiques, mais tout, plus vite ça reviendra à la normale et tout le monde sera très heureux de cette situation-là. Oui, bien sûr, Mathis est performant, tout comme d'autres joueurs. Il est dans son évolution, j'ai envie de dire, logique d'un jeune joueur rempli de qualité et qui travaille bien aux entraînements. Et ça se voit le week-end, donc c'est très bien pour nous. On est ravis. Et voilà, après, il n'est pas le seul. On en a d'autres qui sont dans ce cas-là, mais c'est très bien. Voir des jeunes joueurs. Former au club, s'épanouir, être performant en équipe première et être décisif, c'est toujours un plaisir. Oui, on s'était dit, après on a même peur d'en avoir un peu plus, mais oui, on est à 8, on est très heureux pour eux, très heureux pour eux. On souhaite bonne chance forcément à l'équipe de France et c'est très bien pour nos joueurs. On va pas de les exposer et qu'ils soient sélectionnés, c'est une bonne chose. Donc voilà, je vous dis, on voit 15 jours. Donc pendant 15 jours, on les a. Après, ça sera quasiment une autre compétition qui va commencer. Et on verra à ce moment-là comment on est au niveau des blessés, comment on gère la situation.